Alors, les Lots des Voix m'ont fait l'honneur de m'élire il y a 6 ans, avec 500 voix d'avance. Je leur demande de me faire encore confiance. Robert Lecoux, qui revendique d'être élu, a eu 18 ans pour réaliser. Il ne l'a pas fait. Je sais bien qu'il est à l'origine de tous les projets, mais moi, je veux lui rappeler que l'humain d'abord, pour moi, c'est la réhabilitation de l'écureuil. 70 lits, une douche, des bassines dans les chambres du haut et les lits qu'on était obligés de déplacer parce que les personnes âgées recevaient les gouttières. L'humain d'abord, pour moi, c'est la crèche et la garderie. C'est l'accueil de la petite enfance. C'est le traitement des dossiers des agents en mairie, la pérennisation des emplois précaires, la réhabilitation de certains dossiers qui n'avaient pas été traités et la reprise des carrières de certains. L'humain d'abord, pour moi, c'est le partenariat associatif. L'humain d'abord, c'est tous les jours. Pour moi, c'est tous les jours, c'est un combat quotidien. Il se fera avec les Lots des Voix, dans la concertation, puisque nous établirons un conseil citoyen, je m'y suis engagée, je le ferai.